C'est vraiment magnifique. Monaco. Non, c'est pas Monaco. Ça aurait pu, mais non. Non plus. C'est Cannes, non plus. Ah ah. C'est vrai que Cannes, ça pourrait aussi. Mais Cannes, c'est moins haut, il y a moins de hauteur. Bon, c'est dans le sud-ouest. Vous savez pas? Est-ce que vous voulez que je donne la réponse ou on attend qu'il y ait quelqu'un qui trouve? Bonsoir, bonsoir. C'est magnifique, non? Donc c'est pas Cannes. Osgore, non. Mais je crois que c'est dans le coin. Quelle question, c'est où? Ah, Hendaye, alors non, mais c'est de là où je viens. J'étais à Hendaye en roue là et je suis en train de repartir. Alors ce soir je rentre à Hendaye, mais là, on s'est baladé le long de la côte. Alors effectivement, c'est. On était à Hendaye. Lacano, non, ouais, c'est Biarritz. Bravo. Bravo Tommy. On est à Biarritz. Du coup là j'étais à Hendaye. Et donc là je. Hop. Donc moi je suis avec ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis en gyro-roue. Et je vais essayer d'aller à Bayonne. Et je vais essayer d'avoir assez de batterie pour pouvoir rentrer. On va espérer pouvoir rentrer. Et je voulais vous montrer ça parce que j'ai trouvé que c'était très beau. Donc on va repartir quand même. Parce que du coup, je vais essayer d'aller jusqu'à Bayonne. Et surtout, surtout, il faut qu'après je rentre à Hendaye. Et ça, ça va être plus dur. Mais la côte basque, ouais, la côte basque, c'est très joli. Ah, j'ai une voiture qui me fait, je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'elle me laisse passer? Non, oui, je passe. Ah, ouais, merci. Hop là. Alors, on va longer la côte. Ah, je suis pas loin de l'hôtel Napoléon. Alors, je ne connais rien du tout à Biarritz. Vraiment, je connais rien. Là, c'était. J'ai vu que je pouvais longer la côte. Donc, waouh, mais c'est magnifique! Mais non, c'est trop beau! Oh, mais c'est magnifique! C'est chiant en fait, j'aurais dû rester sur le trottoir. J'aurais dû rester sur le trottoir. Alors, je vais être limite, limite en batterie. Normalement, je vais arriver à Hendaye tout à l'heure. J'aurai plus de batterie. Comment tu fais si tu n'as plus de batterie? Ouais, ben si j'ai plus de batterie, je vais appeler. Si j'ai plus de batterie, je vais appeler mes potes. J'appellerai mes potes parce qu'effectivement, ça peut être très limite là, niveau batterie. Eux, ils ont abandonné, ils m'ont dit qu'ils n'auraient pas assez de batterie pour aller jusqu'à Bayonne. Et du coup, moi, j'avais envie. Et Biarritz, là, c'est beau là. Là, j'avoue. Eux, ils ont arrêté et j'ai dit, je vais continuer. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Sauf vélo, donc je peux y aller. Je suis un peu à contre-jour. Merci beaucoup à ceux qui ont partagé. Ah là, il y a le soleil, il est rasant. Il tue un peu les yeux quand même. Mais waouh. C'est beau. Donc en plus, là, je fais, pour tout vous dire, je fais un petit détour pour vous montrer. Mais c'est magnifique. C'est vraiment waouh. Je suis obligé de me. Il y a un trottoir un peu chiant là. Ce que je voudrais vous montrer en allant sur le. Je vais essayer de m'arrêter. Je suis pas arrivé moi si je m'arrête toutes les 10 secondes pour prendre des photos ou vous montrer. Waouh! Ça pète quand même. Donc on est à Biarritz. C'est beau hein? Oh là là! La classe! Bonsoir Kat! Chez moi, ah mais cool. Là c'est beau. Là j'avoue. Là c'est très beau. Je vais essayer de revenir sur la route. Le problème c'est qu'il faut pas trop que je traîne. Parce que on a fait 40 km. Donc j'ai aussi. Ouais, je vais avoir. Je vais presque. Ouais, je vais faire 100 km dans la journée. Donc pas falloir trop que je fasse de détours. Si je fais trop de détours, je rentrerai pas. Non mais là. C'est incroyable. C'est incroyable.
À dire qu'ils ont fait demi-tour, moi je pouvais pas. Oh, mais c'est magnifique. Bon, là, vous avez le soleil dans la tête. Je suis obligé d'aller là. Putain, je suis en train déjà de faire des détours. Attendez, je vous montre après. Je vous montre après parce que dans l'autre sens, ça sera plus joli. Bon, là, on y va mollo quand même. Moi, j'ai envie de dire waouh. C'est à Biarritz. On est à Biarritz, il y a les vagues juste au-dessus. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ah, le truc qu'ils ont fait là. Ah, j'avoue, ça. Super coucher de soleil. Ouais, regardez, mais c'est waouh. J'attrape ma. Le rocher de la Vierge, très bien, je savais pas. Je peux y monter sur le. On va pas s'enflammer non plus. Hein. Déjà, je devrais être rentré avec mes collègues. Et là, je continue à faire mon périple. Mais. Ah ouais, Biarritz, c'est magnifique, vraiment. Je vous montre. Clac, 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 clac. Ouais, c'est l'océan, effectivement. Mais je vais essayer d'aller à Bayonne. On va essayer d'aller aux fêtes de Bayonne. Mais je vais pas rester longtemps. Parce que bon, le problème c'est qu'après j'ai la route quand même. Donc, hop là. Hop, je vous montre. Ah là c'est humide un peu. Hein. Oh le truc de fou. Ah ouais, mais c'est incroyable. C'est incroyablement beau. Dire qu'on est au milieu de l'eau. Parce que là on est vraiment au-dessus de l'eau. C'est incroyable. Ah bah là vous voyez je regrette pas. Même si je tombe en panne, je regrette pas. Eh ben la petite chinelle. Ah ouais. Donc c'est le rocher de la Vierge. On est dans le sud-ouest, dans le 64. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Ah ouais, les gens ils peuvent monter sur les rochers et tout, oh, c'est fou. C'est incroyable. Je sais pas comment ils avaient ce qu'ils avaient fait à l'époque. Si c'est pour les touristes qui ont fait ça ou si c'est. Mais waouh. Vraiment incroyable. Je fasse attention aux gens. Merci. C'est incroyable, incroyablement beau. Faut pas que je tombe quand même. J'avoue, belle blague. Je valide. Pas mal la blague. Bon, je m'égare, je suis pas encore arrivé à Bayonne, si j'ai bien compris. Vous voyez la côte là, c'est derrière Bayonne, c'est juste derrière. Donc je crois que je suis à 15 km de Bayonne à peu près. Mais visiblement, je suis pas passé. Je suis en train de faire des détours déjà. Mais bon. Qu'est-ce que c'est? Il pleut là ou quoi? Comment ça se passe? Il y a de la pluie? Wow! Incroyable. Bon, mon téléphone. Là, je vous captais pas trop la 5G. Là. On est passé sous un tunnel. Waouh, non mais c'est vrai. Waouh, mais c'est waouh. 10 000. Ouais, non, 100 000. Ouais. C'est incroyable. En haut, c'est le musée. D'accord. Alors là, je dois dire que Biarritz vient de battre pas mal de records de belles villes. Hein. Parce que souvent, on me dit dans quelle est la ville que tu as trouvée la plus belle, ainsi de suite. Là, en peu de temps, j'en ai pris plein les yeux.
j'avoue. Bon, le seul truc, c'est que les pistes cyclables, on n'est jamais à côté de la belle vue, mais il y a toujours, vous voyez, des marches. Merci. On va essayer de se mettre sur le côté, là. On va essayer de monter sur le trottoir pour vous montrer, parce que... Je connais les fêtes de Dax. J'ai déjà entendu parler, mais je suis pas sûr d'y être allé. Peut-être une fois, mais je suis pas sûr. Alors attendez, on va revenir là. Parce que quand même, là, ça c'était joli aussi. Elles sont number one. Bah là, de toute manière, j'y vais pas, vous avez compris, pour me bourrer la gueule. Hein. C'est juste pour voir comment ça se passe, les fêtes à Bayonne. Mais je vais pas rester très longtemps. Et s'il y a trop de monde, ça va être vite chiant. Donc en route, c'est pas non plus... vous savez, c'est pas le top. C'est un peu la galère. Voilà, je vous montre juste ça. Marche arrière, ouais, c'est ça. C'est joli, hein. Les rochers et tout là. Oh. C'est vraiment joli. Hop, merci beaucoup. Hop là. Et on repart. Je suis pas arrivé, moi. Si je m'arrête toutes les 10 secondes, on va le faire. Je sais pas si je peux passer là discrètement. C'est joli, les bâtisses et tout. C'est incroyable les bâtisses qu'il y a. C'est vraiment très joli. Bon, il faudrait que je revienne sur la route parce que là, je suis au milieu des piétons, ça va être galère. Bon, l'avantage, c'est que quand je roule pas vite, je consomme pas beaucoup de batterie. Ça, c'est l'avantage, c'est que là, je consomme vraiment pas beaucoup de batterie. Et bon, j'arrive pas non plus. Faut que j'aille sur la route. Est-ce que je vais sur la route? Allez, je vais sur la route. Voilà. Parce que sinon, je n'avance pas, les amis. Ta famille avait des restaurants ici. Alors en plus, ouais, là, pour la petite blague... Oh, il y a carrément un passage ici. On peut aller là. Ah ouais. Ouais, alors j'ai pas pris mon chargeur, c'est con. C'est très con de pas avoir pris son chargeur. Non, vous trouvez pas? On va m'arrêter là encore, vite fait, pour montrer. Oh ouais. Que c'est beau, c'est très 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 joli ici, hein. On est à Biarritz. Je vous montre l'autre côté. Le casino donne sur la grande plage. Merci beaucoup pour vos j'aime. Merci beaucoup, c'est gentil. Il faudrait quand même que je roule, hein, parce que comment voulez-vous que j'arrive? Ah ouais, non, mais là, je vais pas pouvoir monter des marches. Parce qu'en fait, j'ai plus de 50... Enfin, je vais avoir 50 km à faire en marche arrière aussi. Donc, vous imaginez que je vais rentrer de nuit et je vais avoir froid. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup pour me couvrir. Du coup, là, je vais à Bayonne, je fais un petit tour vite fait. Et tu comptes aller vers la Suisse? J'aimerais bien un jour aller en Suisse. Mais pas pour le moment. C'est pas prévu au programme, mais j'avoue que la Suisse, j'aimerais bien visiter la Suisse. Ça me ferait plaisir. C'est beau là. Allez-y, allez-y. J'avoue que j'aimerais bien y aller en Suisse, c'est joli. Oui, merci pour le retour. Bah ouais, parce que le retour, ça va être un peu compliqué. Ça va être sûrement de nuit. À moins que je reste pas trop longtemps à Bayonne. Parce que en fait le truc c'est que à mon avis à Bayonne je vais pas pouvoir circuler, donc si je peux pas circuler je vais pas rester longtemps. Si je peux pas circuler à Bayonne, bah voilà, je resterai pas. Ça servira à rien de rester des heures. Ah, il y a plein d'endroits, il y a vraiment plein d'endroits. Là, bon, après, vous savez que je travaille à côté. C'est pas mon métier, TikTok.
Et donc du coup les vacances ça coûte cher quand même. J'aimerais bien, si je m'écoutais, moi j'aimerais bien visiter tout, mais ça coûte trop cher. En face c'est le grand hôtel du palais. D'accord, ok. Ça a l'air un peu chic à mon avis, la nuit ici ça va pas être donné. Mais attends, mais c'est quoi ces bâtiments qu'ils ont? Bon, par contre je sais pas trop comment je vais à Bayonne. Ah ici là il y a le petit train de tout à l'heure, hop, il y a le rouge, hop. Le petit train, regardez le petit train qui passe. Donc là je suis arrêté au feu. Ouais, on a repris la route, enfin on a roulé aujourd'hui là. Et là, on a fait 50 km. Bah, il faut profiter, ouais, c'est joli. Il faut profiter de la vie, profiter. Faut faire attention, bien sûr, mais faut profiter de tout ce que nous offre. On a qu'une vie, hein. Mais bon, après, c'est sûr que ça coûte un peu cher, donc on peut pas non plus se balader partout. Le petit glacier sur ta gauche, miam. Alors je sais pas trop où c'est les fêtes de Bayonne. Je suppose que c'est à Bayonne, hein. Ça c'est avant que quelqu'un me la fasse là. Mais wow, non mais le truc il est immense. Hein? Il y a combien d'habitations là-dedans? Il y a combien de chambres? Merci beaucoup pour vos j'aime. Tout le long sur la route on a vu des. On a vu les gens habillés en blanc et rouge, vous savez. Mais moi j'ai pas en fait, je suis habillé en marron et en noir. C'est pas, j'ai pas trop respecté le dress code. Oh attends, il faut que j'aille là. C'est trop beau. Il faut que j'aille là. Hop, un petit virage. Encore un petit détour. Et moi quand je vois ça là, ça me fait kiffer. Truc. 500 euros. Ah oui, ça pique un peu. J'avoue, ça pique. Oh là là, c'est beau ça. Bon, je vais pas descendre les marches, mais c'est la classe. Vous imaginez, vous habitez là. Wow. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Bon, par contre, du coup, je viens de consommer de la batterie pour rien. Non, apparemment, aujourd'hui, c'est pas payant et demain non plus. C'est ce qu'on m'a dit. Bah, j'essaye en tout cas de vous présenter et de vous montrer toujours des belles choses. Après, il faut en profiter parce que là, c'est la fin de mes vacances. Donc, après, je vous montrerai Bordeaux, Bordeaux, ses alentours et Bordeaux, généralement. Bah, eux, ils n'ont pas le petit panneau qui dit « t'as le droit de passer au feu ». Par contre, l'architecture, elle est belle. Hein. Ils ont quand même des sacrés bâtiments. Hein. Merci beaucoup pour vos cœurs, merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent, qui follow, ça fait plaisir. Je vous cache pas. Bonjour. Le gars m'a regardé avec des gros yeux, genre qu'est-ce que c'est, forcément. Bah écoute, merci Joa, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est un peu le but de vous balader. Je sais qu'il y a des gens, vous voyez, la dernière fois, il y avait une personne qui était handicapée qui m'a remercié parce que ça, je pouvais la faire voyager. C'est cool, quoi. Je trouve que c'est sympa. Ça rend nostalgique. Ah bah oui, si tu connais le quoi. Merci beaucoup hein, pour les j'aime. Vous êtes vraiment très gentils. Bon, à cette heure-ci, ils sont tous aux fêtes de Bayonne. Ah, vous voyez, j'étais pas sûr. Enfin, j'ai hésité à venir et je regrette pas. Je vous dirai ça peut-être demain où je vais regretter parce que j'avais plus de batterie et que je suis tombé en panne. Peut-être que je vais regretter demain, mais là, pour le moment, je regrette pas. Il y a un petit panneau qui me dit qu'il faut... Ah non, faut aller par là. Voilà. Bâtiment. Hôtel Regina à gauche. Ah, ok. Bon, là, du coup, j'ai un peu loupé. Mais c'est joli, là. Oh, les pierres et tout. Bon, tu sens quand même qu'il y a du pognon, un peu. Hein.
Ah ouais, c'est des belles personnes les Basques. Ok. Tu es où mon gars? Je suis à Biarritz et j'essaye d'aller à Bayonne. Ben, je crois que j'arrive pas loin de Bayonne là quand même. Faut pas déconner, si j'ai plus de batterie après je vais avoir l'air con. Ah ouais, les constructions en pierre elles sont ouf. Et même les petites maisons là, vous avez vu, elles sont jolies ces maisons là. À l'époque, ils rigolaient pas quoi. Donc là, c'est la tenue hein, des fêtes de Bayonne. Blanc et rouge. Ceux qui sont blancs et rouges, on sait qu'ils vont aux fêtes de Bayonne. Bah alors c'est où Bayonne Normalement, si je vais toujours tout droit, j'ai compris que si je longeais la côte, j'allais arriver au bon endroit. Dis-moi demain, je te tiens ce week-end à Ben. Dis-moi demain, je tiens... Ouais, attends. Je tiens ce week-end à Bayonne. C'est très atypique la région. Oui, Anglette après Bayonne. Tu vas au fait, j'y vais juste pour voir. Ah, je vais pas dans le bon sens. C'est vrai? Si je vais pas dans le bon sens, ça va pas. Je vais essayer d'aller là. Hop là. Wow. Ah, si je vais pas dans le bon sens, faut que je fasse demi-tour. Tu vas pas dans le bon sens? À gauche la mer, oui. Moi je vais bientôt à la feria de Béziers. T'es à 9 km. Le VVF, tu vas pas être dessus. Une belle vue. Je suis de Bordeaux. On est d'accord que c'est pas là, Bayonne. Tu vas vers la chambre d'amour. Je connais pas du tout. On est d'accord que c'est tout droit, Bayonne. Vous êtes en train de me mettre la pression. Là. Faut pas me mettre la pression parce que... Je crois que, en fait, je longe la côte et je fais un tour, en fait. Je suis les panneaux, mais je vois pas de panneaux. C'est ça, le problème, c'est que je vois pas de panneaux, en fait. Après, j'ai vu que je faisais le long de la côte. Hein. Je fais pas la route la plus courte. C'est plus long, ouais, j'ai vu que c'était plus long. Mais c'est plus joli aussi, je me dis. Ah, plus loin, c'est Anglette? D'accord, je me rends pas du tout compte. Après, il faut que je rentre à Hendaye avec ma roue. Donc, on décale. Je vous remonte. Oh, allez. Hop là. Ils sont bien là, les gens. Ils sont tranquilles. Ça boit l'apéro. Bon, moi, je boirai l'apéro à la maison. Tout droit au rond-point à droite. D'accord. Ouais, mais si je vais par là, c'est plus long, mais est-ce que j'y vais quand même, non? On est en Russie. Attendez, si je vais par là, je peux bien faire le tour, si j'ai bien compris, ça va quand même à Bayonne. Ouais, c'est un peu plus long, mais... C'est beau, les amis, c'est très, très, très beau. Ok. En fait, là, à l'aller, je vais faire le grand tour, au retour, j'irai au plus court. Parce que, effectivement, je pense que je vais jamais arriver à... Je suis pas sûr d'arriver à domicile, là, parce que là, je vais avoir fait plus de 100 bornes, je pense. Et normalement, je suis censé faire 100 km, donc à voir. Je fais attention aux chiens. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Après les plages, tu as le port. D'accord, ok. Désolé hein, si je ne suis pas... Si je ne suis pas tout le temps vos messages, j'essaye, mais des fois, il y a des... déjà, il y a... Quand vous écrivez un message, il y a un petit temps de retard. Donc, ça aide pas. Ah, il y a une cabane, mais il faudrait aller dans les... Oula, il y a du sable, là. Oula, mon ami, il y a du sable. Oh. Il y a du sable. On ne va pas aller trop loin. En charge, je sais pas trop, je crois que j'étais à 70,
Donc normalement ça devrait aller. Mais le problème c'est que... Chambre d'amour en bas. C'est un hôtel la chambre d'amour, c'est quoi? Vous pouvez dire à Joanne, Juan, je suis à Biarritz. Merci beaucoup pour tous les j'aime. Normalement, je peux faire 100 km. On va prendre un raccourci. Je sais pas du tout si c'était une bonne idée de passer par là. Ah, c'est une grotte. Ouais, à cette allure, je suis pas à Bayonne, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est pas ça. C'est que une fois que je suis à Bayonne, après, il faut que je reparte à Hendaye. Donc, à mon avis, je vais arriver très très tard. Ah là, je suis à Anglet. Ah, mais d'accord, il y a vraiment Biarritz, Anglet, Bayonne alors. Bayonne, c'est au fond à droite. Ok. À l'heure des vomitos. C'est beau quand même. Ah, ils me font la place. Merci. Thank you. Je sais pas comment on dit, à part thank you. Cyclable qui donne sur le rond-point. J'avoue, le cyclable qui donne sur le rond-point direct, c'est chaud là. Comment voulez-vous que je vous fasse déjà? On va attendre. Hein. On n'est pas pressé, on va pas se faire écraser. Allez, go! Parce que le but du jeu, c'est que si je veux arriver à Hendaye en entier, il faut que j'arrive, que je me fasse pas écraser quand même. Ok. Bonsoir, bonsoir. Fayence à droite. Alors ben là, ils attendent tous pour aller à Bayonne. C'est fou parce que ça fait un moment qu'on voit des gens habillés en blanc et rouge et pour aller aux fêtes. Et il y en a qui marchent de Londres depuis un moment. Donc c'est incroyable. À gauche, j'aurais pu longer l'eau, tu veux dire? Ah zut. Bon bah du coup je suis pas au bon endroit apparemment. Ça veut dire que j'ai fait un petit raccourci peut-être. Bon, d'un autre côté, je vous cache pas que ça serait cool que j'ai assez de batterie pour rentrer. J'espère avoir assez chaud au retour. En fait, d'habitude, je prends mon chargeur et là, je ne l'ai pas pris. C'est un peu mon erreur. Oh là, le dos d'âne. Hop là. La barre. Ah oui, je viens de voir la barre. Hop. Les filles vont fête de Bayonne. Ah, il y a une patinoire. J'aurais pu prendre la piste cyclable, ça aurait été plus intelligent, non? De l'autre côté, je suis tout seul, hein, mais je vais peut-être aller sur la piste cyclable quand même. Des fois, la piste cyclable, elle est à gauche, des fois à droite, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais en fait, je tousse depuis un mois, plus d'un mois et demi, c'est un peu relou. Vraiment, je vous le dis, c'est, j'en peux plus de tousser. Ouais, pour la batterie, c'est mort. Hendaye, non, 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 porte pas malheur. Si je roule régulier, en fait, je fais attention, je roule à peu près régulièrement. Normalement ça passe et en fait ce que je vais faire c'est que généralement je m'assois et quand je m'assois ça consomme encore moins donc au retour je vais peut-être m'asseoir mais j'avoue que je suis inquiet. Tu as 3 km tout droit puis 4 km à droite et c'est Bayonne. D'accord, ok, merci beaucoup hein, pour ceux qui connaissent le coin. Là déjà je commence à me dire que c'était une erreur, je commence déjà à avoir froid. Bon j'ai un pull, mais bon. Merci beaucoup pour vos j'aime, vos partages et vos follow. Pour ceux qui arriveraient et qui ne connaissent pas,
On fait de la gyro-roue et on se balade et on vous balade avec nous. Les live TikToks, je vous les remets de temps en temps sur la chaîne YouTube. Alors c'est pas, ils y sont pas encore. Il y en a quelques-uns. Il y a ceux, j'ai fait Bordeaux-Carcassonne, donc je les ai mis. Donc celui-ci devrait être sur la chaîne YouTube d'ici un petit moment. Mais voilà, je remets les lives comme ça. Si jamais vous pouvez pas rester ou si jamais vous avez loupé le début, ben voilà. Ouais, ils m'ont abandonné, ces enfoirés. Clairement, ils m'ont abandonné. En fait, ils étaient pas sûrs d'avoir assez de batterie. Le problème, c'est que j'ai la même batterie que lui. Alors après, il est un peu plus costaud que moi, donc. Mais bon, j'avoue, ils m'ont mis le doute de ouf. Du coup, comment vous dire que je suis pas sûr, sûr, sûr. Ah, le bâtiment là. On n'y est toujours pas. Hein. Ah putain, j'en ai marre de tousser. Ça fait. Ah, je vous dis, ça fait plus d'un mois que je tousse. J'en peux plus de tousser. Ça me fatigue, mais d'une force. Vraiment, ça me fatigue hein, de tousser. Ah, il y a un golf. Moi, je vais au golf. À mon avis, j'ai pas le droit de rouler sur l'herbe là. Je vais me faire défoncer si je roule sur l'herbe. Le golf d'Anglette. Le golfe de Siberta. Et en face, on a des gens qui vont à Bayonne. Ils boivent déjà pas de l'eau. Je sais pas par contre à quelle heure je vais arriver chez moi. Est-ce qu'il me coupe la route ou pas? Non. Du coup, il a décidé de ne pas tourner pour pas me couper la route. C'est gentil de sa part. Bon là, c'est pas hyper beau, hein. Le problème c'est que j'aurais accéléré, mais là j'ai pas trop envie d'accélérer. Faut que je roule à une vitesse régulière pour pas consommer trop de batterie. Putain, j'espère que je vais arriver à la maison ce soir. Je commence à avoir des doutes quand même. Parce que le problème c'est que quand je roule là, et bien après il faut faire le retour. Allez, je prends mon poteur. Ouais, mais ils vont être bourrés au retour. 10-20 minutes, tu es à Bayonne. Ouais, c'est ça, vivement la Sherman S, parce que là, je suis limite en batterie. Et là, j'ai un peu craqué. Et est-ce qu'après, il y a Denis, j'étais avec Denis et Steph, et ils m'ont abandonné lâchement en disant on n'aura pas assez de batterie pour rentrer. Eux, ils pensent ne pas avoir assez de batterie pour rentrer. Et moi, j'ai dit, oh, ben, je vais bien faire 30 km de plus pour voir. Non, Rouen, c'est Anglette maintenant. Ouais, j'imagine que Bayonne, c'est pour ça. Je suis pas sûr de pouvoir circuler. Si ça se trouve, j'y vais juste pour voir, pour dire j'étais à Bayonne et faire un tour dans les rues, voir l'ambiance. Mais par contre, le problème, c'est que si je suis à 20 minutes encore, ça va être chiant. Je suis si loin que ça. Ouais, c'est clair, ils sont pas aventuriers, ce Capri, hein, t'es d'accord? Mais attends, là tu sais que Capri, là j'aurais fait plus de 100 bornes si j'y arrive, parce que là c'est pas gagné là. Donc au retour, je vais mettre mode géo-vélo en mode rapide, hein, parce que là je le sens pas bien le retour. Et je vais pas partir trop tard, vous savez pourquoi? Parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de mecs bourrés, et je vais éviter. Ah oui, mais oui, tout à l'heure, il faut que je vous raconte. Tout à l'heure, il y a Coco Chanel qui est venu. On était au bar, vous savez, on s'est arrêté. Et il y a Coco Chanel qui est venu là, et qui est venu nous faire un petit coucou. C'était trop drôle, on était au bar, et puis elle a dit, ah, c'est, je vous ai vu sur TikTok et tout, qui c'est qui parle? Et donc c'était trop drôle de voir quelqu'un qui est venu, donc qui était sur TikTok et qui est venu nous voir. Ouais, j'ai peur en plus que si ça se trouve, ils vont pas vouloir que je rentre avec la roue. Donc on va voir. Écoutez, on va voir. Il y a pas un raccourci là, parce que là déjà, je suis en train de dire. Salut! À tout à l'heure!
Ça roule, hein, des 6, ça roule, ça roule. Je viens de me balader et du coup, là, on est en train de rouler. Enfin, du coup, mes potes m'ont lâché parce qu'ils avaient peur de plus avoir de batterie. Et moi, j'ai dit, mais si, c'est bon. Et je commence à avoir des doutes au fur et à mesure que j'avance. Parce que bon, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. T'as loupé, juste avant, on était à Biarritz et c'était vraiment très beau. Là, je vais à Bayonne. J'ai déjà fait, ouais, je pense, 45 km, un truc comme ça. Et j'ai une autonomie de 100 km, voire un peu moins, ça dépend. Donc je fais pas trop le malin pour le retour, mais on va voir. Tu vas arriver où la forêt a cramé en 2021. Ok. Par contre, si vous connaissez un raccourci vers Bayonne, parce qu'au début, je croyais qu'on longeait l'eau, mais en fait, l'eau, elle est là et au final, ça sert pas à grand-chose. Ouais, un raccourci. Genre un truc qui m'amène directement à Bayonne. Téléportation, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, là? Derrière ça, il n'y a rien. Ok, je me suis levé pour rien. Je suis assis sur ma roue. Ah, il faut un bracelet. Mais on m'a dit que c'était gratuit aujourd'hui et demain. J'espère qu'il ne faut pas un bracelet, sinon c'est con. Sinon, je serai à la Bayonne pour rien. Bon, c'est pas grave, j'aurais dit au moins que je suis allé, que j'ai roulé jusque-là. L'infusion de l'origan avec du miel, c'est efficace. Ah, je sais pas, mais j'en peux plus tousser. En plus, j'y pense, du coup, je tousse. Mais la vidéo coupe. Ah mince, mais c'est peut-être que je capte pas bien. Là, on est un peu au milieu de rien, quand même. Je vous montre. Bon, on n'est pas en ville-ville. Hein. Ouais, je sais pas. Putain, mais c'est loin quand même. Hein. Je comprends pourquoi ils m'ont abandonné là. Les deux lâcheurs là. Alors, on arrive où là? C'est où la ville là? Bon, bah là-bas, il n'y a rien à voir. Ok. C'est moins beau là. Après avoir vu Biarritz, je dois avouer que ça calme un peu. Ah, il y a un pont par contre de ouf. Je vais aller sur la piste cyclable quand même. Il y a un pont là. Ouais, je pense que c'est un pont ici là. Ouais, c'est quoi? Il y a des ponts, on dirait. Je sais pas si vous voyez. Il y a des ponts. À gauche, la patinoire. À gauche, go le pont. C'est toujours. Et là, à droite, c'est toujours tout droit. Ok. Je sais pas ce que c'est le pont. Là, il y a l'acrobranche. Si jamais vous voulez faire de l'acrobranche. Ah. Là, on est dans le bon côté, visiblement. Ils sont là. Salut, salut. Hey, ils sont pas. Je croyais qu'ils allaient crier et tout. Ils sont un peu calmes pour le moment. Ils sont assez calmes, là, pour le moment. Les gens. Ah oui, il y a la grève de bus. Ben, les pauvres. Oh putain, j'en peux plus de tout. C'est ça, mais... Je vais aller là parce que là c'est chiant. Ah ben voilà, ça tombe bien. Ah, ça c'est joli. Regardez là, petit coucher de soleil au fond là, petit zoom. C'est beau là quand même. Là c'est joli là. Commanderie du port. C'est ça la commanderie du port du coup. Et c'est vraiment trop bien TikTok parce que du coup vous connaissez. Ça permet de me faire découvrir et surtout ça permet de faire découvrir aux autres personnes. Et ça, c'est cool. Alors du coup, en Anglette, c'est après le port. Coucou Nanou, t'as loupé, on était à, tout à l'heure, on était à Biarritz. Là, on va en direction de Bayonne. Eux, ils sont bourrés par contre. Alors, je fais attention parce que par contre, s'ils sont bourrés, s'ils me touchent, je tombe. Donc du coup, ça c'est pas cool. Donc je vais me décaler, le temps qu'ils jouent à cache-cache. Salut!
Ah, tu es déjà à Bayonne. Ah, ok, d'accord. Là, il y a la piste cyclable. Wow, ils ont fait des blagues. Donc là, on est à Bayonne. Ouais, il faut faire attention parce que les gens, c'est pas forcément méchant. Hein. C'est pas. Enfin, moi, je. Attends, allez, hop. Allez, elle m'énerve cette caméra là. Ah, vas-y. Voilà. Donc là, c'est le port de quoi? Port de Plaisance. Ça bug? Port de Biarritz, Anglette. D'accord. Hop là. Donc là, c'est le port de Biarritz, Anglette. Ok. Ils se partagent le port, donc. Et Bayonne au bout. Bon, ben, on s'approche, on s'approche. Alors, est-ce que j'aurai assez de batterie? Ça, je sais pas. Et je le saurai que très tard, dans la nuit. Bon, attends, l'Hermione, c'est ici? Pour moi, c'était pas ici, l'Hermione. C'est pas à La Rochelle, l'Hermione? C'est le port d'Andaï? Non, c'est pas le port d'Andaï. Ah, mais il y a l'Hermione, il est aussi ici? D'accord. Petit sourire crispé de madame. C'est pas grave, il faut pas. Pas de. Hop là. Ouf, ça monte là. D'accord, je savais pas. Ah oui, c'est Rochefort et. Ok, bah écoute, tu vois, je savais pas, j'ai effectivement. Ils sont chauds. Eux. Bon, je vois le grand pont rouge Bayonne sur la gauche. Ok. Plus de batterie, bah j'espère pas, hein. Me dites pas, me portez pas malheur, hein. Et puis je peux même pas dire, je vais recharger parce que d'habitude avec le chargeur, vous savez, je trouve une prise où je demande à un commerçant et puis je charge. Mais là, je peux pas et j'ai pas le chargeur. Et puis c'est pas un truc que les gens ont chez eux quoi. Donc je tousse toujours autant. Ah, il y a un petit feu là, c'est cool. Hop là. Je vais finir à pied. Mais Martin, essaye pas de me porter la guigne. Ça me fait rire, Martin. Là, du coup, si j'ai bien compris, on est entre Anglette et Bayonne. C'est bien, il y a des pistes cyclables par contre. Toujours Anglette. Ok, pas de problème. Oh putain, j'en ai marre. Ça, vous allez l'entendre souvent, hein. Je suis désolé, mais ça me fatigue de tousser. Merci beaucoup pour tous vos j'aime, les amis. Merci beaucoup. Ouais, c'est les fêtes à Bayonne, tout à fait. J'apprécie la promenade, mais merci beaucoup. En tout cas, ça a l'air plutôt cool. Hein. Là, piste cyclable tout le long, j'avoue, c'est. À Bordeaux, nous, on est à Bordeaux, et à Bordeaux, c'est un peu pareil. On a les pistes cyclables partout, mais là. C'est plutôt cool, là. Je sens que je vais avoir froid au retour de ouf.
Au retour, ça va finir à pied et en blouson. Ah, les coins reculés en montagne, c'est pareil, il faudrait qu'on le fasse en gyro-roue, se balader en montagne. Parce qu'en fait, au final, nous, notre roue, elle peut vraiment, comment ça s'appelle ? On peut monter dans les montagnes et tout, ça pose pas de problème. Par contre, je suis désolé, il y a des bosses, parce que j'ai le stabilisateur, mais je me suis assis. Donc quand je suis assis, en fait, je reprends plus d'à-coups de la route. Mais je me suis assis pour essayer de gagner un peu de batterie. Parce qu'en fait, la prise au vent est vraiment change vraiment tout, en fait, en roue. C'est-à-dire que si je roulais tout le temps assis, je gagnerais quand même pas mal d'autonomie. Ouais, c'est vrai que si je marche, j'aurais pas froid, mais enfin, il faudrait pas que je marche trop, parce que... Et en fait, ce qui est traître, c'est qu'il y a des grosses... Comment ça s'appelle ? Il y a des grosses montées chez vous. Il y a des endroits, là, il y a des grosses montées. Là. On en a fait une, elle était incroyable. À Biarritz, là, au tout début de Biarritz. À l'entrée de Biarritz, là, quand on est arrivé, là. Oh là là, il y a une descente qui dure 3 heures. J'arrive bientôt au centre, et il me tarde. Elle est où là, la piste? Oh putain, j'ai... Je vais y arriver. Attends, en parlant de montagne, on va se croiser avec Thierry et Alexis dans les Pyrénées, on va rouler, mais quand ça, Scapri? Vous avez vu, je vous fais visiter. Les vélos, ils ont chaud, ils sont au taquet. Bientôt l'Hermione. Ok, je commence à me relever parce que... Il faut faire gaffe. Ah voilà, je perds de l'autonomie là. Vers 12 et 13 août, c'est un week-end ou pas? Parce que Scapri, toi tu vas faire un road trip. Ah, derrière moi, il y a un monsieur qui tousse comme moi. Il y a Hermione en face. Je l'ai pas vu là. Ah oui, toi, tu es en vacances. Donc ça sera en semaine. Ouais, je reprends là. Ah, je vais me mettre là. Hop. Ah, regardez. C'est là l'Hermione. Il est là, l'Hermione. Mais par contre, il a perdu un peu les mains, l'Hermione. Ils ont tout démonté de l'Hermione. Ah ouais, c'est ouf. Merci. Ah ouais, il est grave en travaux, là, ouais. Ah, il commence à faire froid, là. Il va falloir que je trouve un pull. Non, j'ai un pull, mais bon. Ah, il est mangé par un champignon. Ah ouais, la loose. Pont Rouge, Bayonne, ok. Et au retour, je vais essayer d'aller au plus court, parce que je pense que là, je commence à vraiment me dire que je vais jamais avoir assez de batterie. Là, psychologiquement, je suis en train de me dire que je me suis enflammé total. Je me rassois, désolé pour les à-coups, mais faut que j'économise de la batterie de ouf. Bois un coup à Bayonne, ouais, on a déjà pris une pinte tout à l'heure, donc je sais pas. Ouais, il y a des gens habillés en rouge et blanc, mais depuis un bon moment les amis, ça fait un moment. En batterie, je pense que je suis mort. Je pense que je suis pas bien. Ah, je vois le pont rouge. Mais c'est possible, la Mérule, effectivement, ça me parle. Et nous, on avait un cabanon de pêche
Et en fait, le bois était mangé par des fourmis, des grosses fourmis. Je sais pas si vous connaissez. Donc là-bas, il y a le pont rouge. C'est là-bas, Bayonne, alors. Je vais faire comment pour rentrer. Je vais essayer de rentrer le plus loin possible, en roulant de vitesse régulière, et ainsi de suite. Je serai pas en live, hein, parce que du coup, voilà. Bon, là, je traverse, parce que vous avez compris que ça risquait pas grand-chose. Mais voilà. Ouais, c'est transition au rouge et blanc. Mais j'ai pas besoin de traverser le pont en fait. Là, j'arrive vraiment à Bayonne, c'est ça. Tout à l'heure, il y avait le jeté de clé, on m'a dit. Aujourd'hui, en tout cas, il y a la lancée de clé. Ah ouais, j'ai pas de bracelet là, c'est sûr. Ok, je vais toujours tout droit. Ah, c'est beau quand même. J'avoue. Je commence à voir des gens. Donc le pont Bayonne ici, pont rouge, que vous voyez. Voilà, la tenue officielle en blanc, la ceinture rouge. Ils sont là. Bah j'aurais bien roulé, hein. Je vais bien faire dormir, je vais bien dormir ce soir. Ah, pas besoin de bracelet. Je suis kangourou. Ah, Australie. Le monsieur, il était en Australie, il disait. Il disait, je suis kangourou. Merci. Je passe à gauche. Je me regarde, je me dis. Faut surtout que je fasse gaffe à pas que quelqu'un me pousse ou un truc comme ça. Ah là, à mon avis, là, ça squatte les fêtes de Bayonne. Hein. Là, on est sur du squattage de fête de Bayonne. Hein. Je vois des tentes, des trucs. Les gens sont chauds. J'étais en Hendaye. Et je repars ce soir en Hendaye. Donc, là, je vais pas rester très, très, très longtemps. Dans mon idée, c'était faire un petit tour de la ville et repartir. Mais d'une, je sais pas si je pourrais rentrer. Et wow, les boss. Oh putain, les boss. Alors, il faut pas dire de gros mots, mais quand même. Je suis en girou-roue. C'est encore différent. Ok, j'ai vu la voiture, j'ai cru qu'elle était sur la piste cyclable. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Girou-roue, ouais, je vais te montrer ce que c'est. Oh, il y a une super allée là. Ah, ils ont une allée de fou. Hein. Vas-y, mais moi aussi je vais aller sur l'allée de fou. J'ai envie d'aller là, moi. Regardez ce truc. Ça fait peur le truc en blanc, on a l'impression que ça va tomber, mais non. Eh, l'eau. Ah non, c'est le pont. J'avais l'impression que l'eau, elle était rouge. Ouais, je vous montre à quoi ressemble une girou-roue. Comme ça, je fais une petite pause. Ah, parce que ça fait mal aux pieds. Voilà, c'est avec ça que je roule. Vous avez vu ou pas? C'est G-Y-R-O et R-O-U-E. R-O-U-E. Ah, par contre, je crois qu'il faudrait mieux que je passe par là parce qu'après, je vais être bloqué.
Aïe, il y a une branche qui m'attaque. Tout droit. Est-ce que c'est tout droit là? Non, c'est tout droit là plutôt. Voilà. Ouais, il faut avoir un peu d'équilibre, mais ça se fait, ça se fait. 22h, il y a le feu d'artifice, c'est vrai. Ah, s'il y a le feu d'artifice, il y a moyen que je vous le filme. À 22h, ça paraît tôt pour un feu d'artifice. Alors, le pont rouge. Ouais, là, ça roule... ça commence juste, les fêtes de Bayonne. Là, je suis pas sûr de pouvoir passer là, personne ne va me laisser passer. Hein. On va tenter une. Hop, merci. Ah, hop là. Hop là, hop là. C'est bon, on est passé. D'accord, vous savez où il se tire le feu d'artifice ou pas? Ah, alors j'étais étonné parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont habillés. Il y a aussi. Vous voyez, papier. Bonjour. Donc voilà, il n'y a pas que les jeunes, il y a tout le monde. J'ai vu des papy mamies qui étaient habillés en rouge et blanc. Mairie, je crois. Mais je ne sais pas du tout où est la mairie. Voilà, voilà, voilà. Gaffe, je fais gaffe. Putain, par contre, j'ai intérêt à regarder à pas crever en roulant sur un bout de verre ou un truc comme ça. Là, il commence à y avoir du monde. Là, je vous cache pas que ça va commencer. Faudrait que j'aille sur la... Je vais aller sur l'autre côté. Hop. Ils font des trucs de foufou. Merci. Hop là. Ils ont fait des trucs de foufou quand même. Hop là. Bon, on est sur la route. Hein. Ah ouais, il faudrait que je m'approche, mais il faudrait... Vous savez où c'est la mairie ou pas? Ouais, non, mais je veux pas faire à pied, c'est chiant. Il y a des filles. Le mec, il est toujours dans des plans, je suis toujours dans des plans et des situations. Qui va en roue se balader à Bayonne pendant les fêtes? Personne ne fait ça. Tout droit, ok. Droit devant la mairie, tu n'es pas loin. Ok, d'accord. Bah d'ailleurs, je sais pas si je vais pouvoir rentrer. Hein. C'est quoi là? C'est un rond-point là? C'est quoi ce truc? Détends-toi, René. Ah bah tout le monde va au même endroit, donc je pense que... Ah voilà, là ça va commencer. Là, il va falloir être à pied là, c'est ça? Ah oui, là, je vois, là. Ok. Donc, ça doit être là, la mairie. Ça doit être là. Ouais, il va falloir que je marche, en fait. Ça drague, derrière. Derrière moi, ça drague. Ouais, je vais essayer de continuer encore un peu. Ouais. Et là, il y a intérêt à pas griller les feux. Bon, de toute manière, je vais pas aller très très loin, les amis. Peut-être passer là. Monter sur le trottoir un peu, peut-être. Je vais essayer de m'avancer un peu, mais je vais pas pouvoir aller très 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 loin. C'est une très très mauvaise idée puisque c'est fermé, il est trop tard. Ah ouais, là ça filtre et tout. Wow. Ça va être le bazar. Là. Je vais pas pouvoir, je vais pas rentrer là. Là. Ça va être le bazar là. Il y a du monde. Il y a quoi? Il y a la sécurité qui va sur moi. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y en a qui disent des bêtises, quoi. Faut payer, non? Je crois pas qu'il faut payer. Ouais. T'as beaucoup de viewers? 180, là. C'est bien. Apéro, ils ont le numéro apéro 7. C'est pas mal, apéro 7. Bah, je sais pas si je peux rentrer, je vais attendre de voir si je peux rentrer avec la roue. Je sais pas, ça filtre à l'entrée, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans un truc où je vais être bloqué après. Bon, je pense que je peux rentrer comme ça. Ah, attends. Je vais essayer de rentrer vite fait. On va essayer d'avancer un peu, mais là je vais marcher, hein, parce que... Il y a du monde, il y a du monde. Hein. Non, je crois pas qu'il faut le brasser. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je sens les gars que ça va être de la galère après, pour ressortir. Je sais pas pourquoi, je sens bien que ça va être de la galère. Donc ça filtre pas gavé, alors on y va. Hop là. D'accord, je prends vraiment... Allez, vas-y. Donc voilà. Bon, de toute manière, je vais pas rentrer trop loin, parce que ça va être le bordel après. Parce que du coup... Donc là, effectivement, il n'y a pas besoin du bracelet pour rentrer. Hein. Vous avez vu? Et ma roue, elle est un peu chiante. Elle, là, à porter, elle est un peu roulou. Je vous cache pas que c'est un peu la merde à porter. Elle est un peu galère. C'est très lourd à porter. Bon, je voulais visiter la ville, là. Je vais essayer de me balader dans les rues, hein. Donc là, on est en ville, quoi. C'est 22h, je crois. Putain. Pour traverser, juste traverser là, pour aller là, c'est la galère. La mairie, donc, elle est là. J'ai bien compris, la mairie, elle est là-bas. C'est la première fois que tu fais Bayonne. Ouais, c'est la première fois que je fais Bayonne. Va tout droit. Ça coupe. Bah, à mon avis, quand il y a trop de monde, c'est le bordel. La connexion, elle coupe quand il y a trop de monde. On va essayer de prendre un raccourci. Ça se voit que tu es nouveau au fait. Ah, alors c'est vrai, hein. Je ne vous cache pas. Ouais, je pense qu'il y a trop de monde. Mais au moins je peux rouler là, vous avez vu. Déjà c'est pas mal, je peux déjà rouler. J'essaye de prendre des rues alternatives. Peut-être allumer ma lumière pour que les gens me voient. Ah, comme ça les gens voient. Ça mange quoi? Ça mange quoi? Je ne sais pas. Aïe aïe aïe. Edouard, la tête de ma mère. Ah, ils sont beaux là. Ouais, ouais, je vais pas trop m'aventurer non plus parce que ça va être le bordel. Là déjà, ça commence à... C'est ça la mairie ou pas? C'est où du coup que le feu d'artifice il est lancé d'après vous? Donc c'est par là que le feu d'artifice il est lancé? Là, ça fait déjà du bruit hein, dans le coin. Ah, c'est un feu d'artifice musical. Bon, on va rien entendre si c'est un feu d'artifice musical. Il y a tellement de bruit. Oh, le bordel. Là, il y a du monde. Ah, tout le monde est là-bas, là. Tout le monde est rassemblé là-bas. C'est le jeté des clés.
suis un des seuls à pas être habillé en blanc. Je suis un des seuls à pas être habillé en blanc et en rouge. Ouais, mais là, si je vais pas m'aventurer là-bas, ça va être trop la galère. Sors, sors, sors. T'as vu ce qu'a pris ? Moi, je tente toujours des trucs un peu fous. Hein. Non, je suis pas, parce que c'était pas prévu du tout que j'arrive ici. J'avais absolument pas prévu, les amis, que je viendrais ici. D'être habillé, c'est obligé. Non, c'est pas obligé d'être habillé, mais c'est plus sympa. Si j'avais su, je me serais habillé en blanc et en rouge. Parce que vraiment, tout le monde est habillé en blanc et rouge, quoi. Mais bon, j'avais pas prévu. Ouais, il y a le maire qui doit faire un discours là-bas. Ouais. Tu veux dire par là, là ? Mais il y a du monde. Ah, j'aimerais pas être flic à ce moment-là. Incroyable. Le peuple. C'est chaud, les gens. Ouais, c'est le bordel. C'est le bordel. Là, c'est le bordel. Imagine qu'il y a un gars, il m'a dit, ouais, c'est le bordel. On va pas se lancer dans les trucs de bordel. Dans la rue, là, il y a du monde. Quoi. Non, mais en roue, c'est chiant, je peux pas en roue. Je sais même pas comment ça marche la connexion parce qu'il y a tellement de portables allumés. Putain, il y a même une fête foraine. Bon, nous voilà aux fêtes de Bayonne. Plein de personnes en rouge et en blanc. Vraiment plein. Là, c'est... ça va être le lâcher de clé. C'est les fêtes de Bayonne. Je sais pas, c'est là. Et ça gère un peu. Ça gère la gyro. Salut, salut. Quelle heure le feu d'artifice? On m'a dit 22h. Après moi j'ai le droit de péter ça, c'est dangereux. Ouais, c'est chaud. Ça va combien ça sur le chef? Il y a différents prix en fait. Non mais je sais, ça va combien de kilomètres heure? Ah, 70 celui-là. Mais en France c'est 25, hein, normalement. Et celui-là c'est un truc. La psychologue ou quoi? Ouais, c'est pour ça que je fais un live. Bon, là, bientôt le feu d'artifice. Moi aussi, je suis sur TikTok. Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Pas beaucoup d'abonnés, tu vois, je commence à peine. Je commence à peine, mais ça va. Bonne soirée. Alors, on essaye de... Je vous montre. Là, ça va être à... Je m'avance pas trop, hein, vous m'en voulez pas. Regardez, il y a un drone là-haut dans le ciel qui est en train de filmer la scène. C'est moi qui annonce les fêtes. Il n'y a personne qui planche avant. Ah, mais il a un mec qui planche. Ah, il y a beaucoup de monde là. Il y a combien de monde là? 200. Ah, il y a du monde là. Ramène-nous du jambon. Il est où le mec? Vas-y, arrive-le. Eh, vous êtes bien les gars.
papier, s'il te plaît. Au détriment de...
les amis. Arrête de boire. Bon, maintenant, les amis, il faut que je rentre. Hein. Je vous ai montré les fêtes de Bayonne, maintenant, il faut que je rentre. Là, j'ai 50 km à faire. Hein. Donc, j'ai quand même pas mal de route à faire, 50 km. C'est pas gagné. Et puis là, là, il y a du monde. Donc. Ouais, je suis dans la merde. Je pense que je suis dans la merde juste pour ressortir déjà. Parce que je suis arrivé ici, il n'y avait personne. J'étais en mode touriste. Et là, là, c'est pas gagné. Donc je suis avec ma roue. Et là, il faut que j'arrive à... Bon, et j'espère qu'ils vont tous aller en centre-ville. Du coup, ils vont bouger. Il y a du monde, il y a du monde. De toute manière, il... Salut. Ils sont chauds. Donc c'était cool. Merci à tous. Je remettrai de toute manière le replay pour ceux qui ont loupé le début. Je remettrai sur la chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube qui s'appelle Explique-moi ça. Explique-moi ça, tu t'es approché. Oh, je peux passer dans le vlog. Ouais, ouais, si tu veux. Aussi. Salut les guys. Salut les gars, en direct de Bayonne. Et Bayonne. Ouais, je suis en live Twitch. Jure. Twitch. Oh putain. Et c'est quoi ton Twitch? 380. 380. Envoyez-les. Envoyez-les sous. Envoyez-les sous. Voilà mon cul là. Bah là, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Twitch, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes. Et toi, t'as Macron, t'aimes bien, mais tu fais des trucs pas bien. C'est les soleils, le frère. Ah, mais les passions Twitch, il est sur TikTok. Sur TikTok, oui. Eh, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal, mais là, il faut que je rentre en Dai. Ah, mais l'équipe, c'est TikTok. En Dai. Oui. Je viens d'en Dai, il faut que je reparte. Par maintenant, par maintenant. Ah, c'est quoi ton compte, l'équipe? C'est explique-moi ça. Et tu fais quoi sur TikTok? Bah, des lives en roue. Mais non, ouais, je vais voir ça. Explique-moi ça. Oh, le chapeau de paille, il y a quelqu'un qui l'a dit. Oh, les gars, abonnez-vous à mon compte. Théodore, attendez, je peux repasser devant. Voilà mon compte là, vous allez spammer. Voilà, y'a pas la 4G, mais c'est moi le chapeau de paille. Salut les gars, Théodore, tiré du bas, JN. Attendez, allez, allez, vous abonner. Gros dédicace des Bayonnais, on vous aime. Et vive Bayonne. T'as trop ou pas? Ah, mais c'est ça. Attendez, je screen et je garde ça. Screen et ça. Allez, ciao les gars, je pense que c'est l'équipe. Allez, c'est parti. Bon, les gars, on n'est pas rendu. Hein. Si je m'arrête à chaque fois qu'il y a quelqu'un, je sais pas si je peux passer par là. Alors tout à l'heure, il y avait personne. Non, ils sont gentils les gens. Je sais pas par où je peux passer. Là, je vois qu'il y a écrit taxi. Oh là là, le bordel. Oh le bordel, le Bronx. C'est pas Luffy. C'est vrai, on aurait pu croire que c'était Luffy. Je vais baisser la lumière vers le bas pour pas aveugler les gens. Allez, parce que j'ai un peu de la route à faire. Oui, si tu veux. Paix et amour. Voilà, paix et amour. Bordel. Est-ce que je vais y arriver? Faut que j'arrive à ressortir, les amis. C'est pas gagné pour que j'arrive à ressortir. Attends, je vais essayer de prendre l'herbe. Ah, là ça pisse déjà.
La bière, ça fait pisser. Alors, là, je vais essayer de passer là. Je vais prendre des raccourcis, hein, il faut que je rentre. Non, non, je vais y aller en roue hein, jusqu'à Hendaye. Enfin, normalement, je vais essayer d'y aller en roue. Si j'arrive à sortir d'ici, je vais en roue à Hendaye. Je dois pas être, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui font de la gire en roue pendant les fêtes de Bayonne. Hein. Je crois que je dois pas être. On doit pas être nombreux. Bon, attends, je vais prendre un raccourci là. Parce que là, c'est le bordel. Ouais, ouais, je vais repartir vers la piste. Ouais. Oh, les amoureux. Hop là. Voilà les amoureux. Ouais, mais quand il y a beaucoup de monde, faut savoir que je suis en 5G avec 4 barres, mais quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, les réseaux, ils saturent. Hein. Ça, c'est le truc... Ok. Bon, vous avez eu Bayonne. Allez, maintenant, faut que je reparte. J'espère que ça vous a plu. De toute manière, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Elle est où la sortie pour sortir? Est-ce que c'est par là? Comment on sort? Comment on sort? Je sais pas si on peut ressortir. Ah non, c'est là-bas. Ah, j'ai trouvé où c'est. Ouais, les bus, c'est mort. Ouais. Faut que j'arrive à ressortir. Ah voilà, j'ai trouvé la sortie. De toute manière, je ne vais pas pouvoir vous garder tout long parce que je vais mettre le GPS, je crois. Parce que sinon, là, il faudrait que je trouve le plus rapide pour aller à Hendaye. Genre... Ah oui, là, ils sont tous habillés pareil, effectivement. Hop là. Pour les fêtes de Bayonne, tout le monde est habillé en blanc et rouge, c'est le dress code. Je vais où, moi? C'est le dress code. Là. Il bloque pas les routes. C'est... Ouais, les voitures, elles peuvent passer là, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade, les gens. Elles cherchent des toilettes. Oh là. Je suis pas loin, tout droit. Ouais, mais c'est quoi le plus rapide? Faudrait que j'arrive à trouver le plus rapide pour aller à... Pour aller à... Oh putain, le mec il est passé, c'est bien ce qu'il me semblait. Hein. Je me suis dit, mais il est passé, mais... C'est toujours riche. Sorti tout droit, ouais. Ok. Parce que là, c'est par là que je suis arrivé, mais c'était pas le plus rapide, je crois. Là, il faut vraiment que j'aille au plus rapide. Il faut que je fasse Hendaye le plus rapidement possible. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'on dit les férias de Bayonne? Non, c'est les fêtes de Bayonne, je crois. C'est les férias de Dax, c'est les fêtes de Bayonne. Eh, vous avez eu du cul, quand même. Enfin, j'ai eu du cul aussi. Je fais un live, et en fait, on arrive pile poil au feu d'artifice, et au, en plus, au meilleur feu d'artifice. Bon, les gens, ils traversent, ils regardent même pas s'il y a une voiture qui arrive. Ah ouais, c'est toujours tout droit, faut que je relonge l'eau, tout ce que j'ai fait, quoi. Oh, bordel. D'accord, c'est férié, ok. Ah, j'aurais pu passer, je crois... Je crois que j'aurais pu passer sous le pont ou un truc comme ça, là. Ok. Faire attention, parce que là... La circulation. Ah ouais, bah, j'étais sur le. Ne coupez pas la route, les gars. Je reprends la piste cyclable. La piste cyclable est à droite. Non, je suis en giro-roue. Je peux remonter les allées à gauche. Ah, ça, c'est bien, ça m'intéresse. Mais c'est trop tard, là, si j'ai bien compris. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une rue vers la gauche et que c'était plus court.
Faudra prendre à gauche. Ah, c'est plus loin alors. Ok. Parce que là, il faut vraiment que j'aille au plus court. Bon, pas sur autoroute, hein, on est d'accord, mais... C'est peut-être à ce rond-point, là. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Là, c'est quand même moins stylé, je pense, que quand j'étais à l'intérieur, mais... Est-ce que c'est... Non, c'est toujours tout droit. Putain, c'est chiant un peu, là. Je suis sur la route. Ah, c'était avant, ma merde. Bon, et bien... Est-ce que si je vais à gauche, là, dans pas longtemps, ça peut gérer ou ça peut le faire ou pas? Parce que ça serait bien que je... Ça serait bien que j'arrive à raccourcir un peu le temps. Ah, j'étais motivé. Ok, cool. Ah, ok, samedi où tu l'es fait. Bon, ben, ok. Ah oui, j'ai pas vu. Merci à la personne qui m'a offert un cœur. Ou une rose, je sais plus. Non, une rose. Merci à la personne qui m'a offert une rose. Oh, purée. Bon, mais c'est cool. Ah. Je sais pas qui c'était qui m'a offert la rose, mais merci beaucoup. Tu dois aller où? À Hendaye. Je suis pas arrivé. Hein. Je peux rattraper là à gauche? Est-ce que je peux rattraper là à gauche? Parce que l'idée c'est que j'ai pas envie de me taper tout le front de mer si je peux couper, tu vois. Le mec il est en train de se perdre dans les rues, il connaît pas du tout. Ouais, je suis à 50 km. En tout cas, là, je pense que ouais, je suis au moins à 50 km. Je suis pas sûr d'avoir assez de batterie pour rentrer, en fait. En gros, voilà, là, on fait plus le côté... Là, je veux plus faire le côté de... À côté de l'eau, là, je veux aller en mode, vous voyez, le plus rapide. En plus, je suis limité en vitesse parce qu'il faut pas que je roule trop vite. Parce que si je roule trop vite, je vais consommer encore plus. Ah oui, mais je peux pas prendre l'autoroute, hein, je suis en haut. Mais je pense qu'effectivement... C'est où, là? Ça serait par là? À droite, là? D'accord. Ah ouais, mais là, c'est interdit à moi, hein. Je peux pas, là. Ça, j'ai pas le droit, ça. Donc, ça, j'ai pas le droit, à droite. Malheureusement, c'est marqué interdit au gyro-roue. Ah, il y a marqué interdit au vélo. Ça va couper. Ah merde. Suis les panneaux vers Saint-Jean. Ok. En fait, le problème, ouais, c'est que je peux pas prendre les grandes routes. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sens que je vais dans un cul-de-sac là, non? Je sais pas. Je sais pas où je vais. Le truc, c'est qu'après, je peux mettre le géo-vélo, mais du coup, je suis obligé d'arrêter le live. Je fais un gros détour. Ah ouais, non, je veux pas faire de gros détour. Hein. Enfin, je sais pas où je suis, là. Au bout de la rue à droite, merci. Ouais, l'idée là, c'est, vous avez compris, donc pas m'amener pas sur l'autoroute, ni sur les nationales, et direction Hendaye au plus court. Là, c'est cool parce qu'il n'y a personne ici. Au bout à droite, très bien. Hop. Ouais, GPS humain du groupe, ouais, tout à fait.
et tout droit jusqu'à la chambre d'amour. Ok. C'est ça qui est cool sur TikTok. Si on enlève certains là, qui sont un peu pénibles, après c'est cool. Hein. Parce qu'il y a toujours des pénibles, mais bon. Je vais m'asseoir pour économiser un peu de batterie. Hein. Ton point de repère, c'est l'aéroport de Biarritz et après c'est Bidart-Saint-Jean. Ouais, le problème c'est que vous savez, quand on suit les panneaux là, bah, des fois les panneaux ils vous guident vers des nationales ou des routes interdites pour nous quoi. Voilà, ça en veut, ça en veut. Jusqu'ici ça va, ouais. J'ai pas chaud, mais ça va. J'ai pas chaud, ouais. Je suis en t-shirt, je peux vous dire que... Je commence à quand même me les peler. À Lidl, au feu, tu tournes à gauche. Ok. Non, je suis en giro-roue. Giro-roue, c'est comme un overboard, mais il n'y a qu'une roue. Ouais, merci, ouais, je sais pas si j'ai fait un gros détour. J'espère pas avoir fait un gros détour. Parce que si j'ai fait un gros détour, je suis dans la merde. Ah, là c'est tout droit ou je tourne à gauche? Oh, j'ai froid. À mon avis, il me coupe le live et met jeu au vélo. Est-ce que je vais avoir assez de batterie? C'est pas gagné, on verra. En tout cas, je sais pas. Tout droit, c'est Lidl. Ok, d'accord. Tu as raison, Capri, vivement la Shermanesse, hein, parce que... Normalement, environ 100 km. Mais là, le problème, c'est que je pense que je vais faire plus. Ouais, je sais pas si je peux rentrer en roue, j'avoue, je rentrerai en roue. Mais si je rentre, si j'y arrive pas, bon ben. Le problème c'est que là je vais avoir la batterie. Quand j'aurai plus de batterie, à mon avis, vous savez quoi, ça sera au milieu des bois là. C'est sûr. Ouais, mais oui, mais toi t'as une grosse roue qui a plus de batterie que moi. Je sais pas du tout. Ah, au feu à gauche, ah merde, à gauche, c'était à gauche. Ah putain, mais il y a un décalage en fait. C'était à gauche là, vous m'avez dit. C'était là à gauche, il fallait que j'aille. Ah oui. On m'avait dit au feu à gauche. Ok, ok, merci beaucoup. Ouais, vous pouvez, n'hésitez pas à me le dire à l'avance. Mais je vois pas forcément tout. C'est un peu compliqué. Ah, j'ai fait demi-tour et j'ai pris à gauche, hein, comme vous m'avez dit. Ah, c'est bien, là j'ai l'impression que ça a raccourci un peu. J'ai l'impression que c'est... on est sur la bonne route. Bon, par contre, je vais avoir un problème de batterie aussi sur le téléphone. Ça sent la loose de la batterie. Alors, attends, est-ce que... Là, je m'enflamme un peu. C'est... Est-ce que je peux mettre ça? Ah oui. J'essaie de recharger mon téléphone en même temps. Tout droit jusqu'à la place de la Motte. Après avoir fait un grand détour. Ouais, je pense que j'ai fait un... Ouh, c'est le téléphone, vous inquiétez pas. Ce n'est rien, c'est le téléphone. Vous inquiétez pas, c'est qu'en fait j'ai voulu charger le téléphone et avec le câble, ça va pas. Donc vous êtes sans stabilisateur, parce que sinon j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Voilà, voilà. Du coup, c'est pas grave, c'est pas grave.
C'est ça, tous les chemins mènent à Rome. Alors du coup, il y avait quelqu'un qui demandait, tu roules avec quoi? Je roule avec une gyro-roue. Voilà. C'est pratique. Je vais en Hendaye. J'espère arriver à Hendaye, surtout. Donc là, on fait pas. Là, j'étais à Bayonne et je repars en direction de Hendaye. Ah, au feu, je fais gauche-droite. Très bien. Ça, ça me va, ça. Feu, gauche-droite. Donc là, feu, gauche-droite. Oh! Ouais, ça fait loin quand même. Merci pour l'extraterrestre. Merci beaucoup pour le cadeau. Je l'ai vu. Je fais gauche-droite. C'est gentil. Et là, droite. Parfait. Ah, vous avez vu? Ça gère. Ça gère la fougère. Par contre, vous avez vu, il n'y a plus le stabilisateur. Hein. Est-ce que vous voyez la différence? Toujours tout droit. Ok. Non, je vais faire un truc. Je vais faire une pause de 2 secondes. C'est que je vais arrêter mon enregistrement. Je vais le reprendre aussitôt. Sinon, il va être trop long. Et il passera pas sur YouTube non plus.